Bon, cool. Yeah.
Japanese Blueprint, Nation. Le roi des jouets, je ne sais pas ce que c'est. Alors, sagesse, patate, morceau, plan, case. Le A, là, je ne sais pas ce que c'est. ABC. Une clé là. Je sais pas si je suis pas déjà allé là-bas. Alors, ma position. Ça, c'est où je suis. Ça, c'est la pièce de départ. Ok. Y a pas... Si. Ah, d'accord. J'allais chercher la clé. Donc, c'est sur la map de départ. Ok. Alors. Il y a ça, je sais pas ce que c'est, on dirait une armure. L'anneau que j'ai pas chopé. Ça ressemble... Ça ressemble à ça. Non, ok, là, c'est pas là. Ouais. Donc, par là, il y a... Thank you.
bien sûr, tout est en japonais, sinon c'est pas drôle. Non, je suis là qu'à son audio, d'accord. Alors... Yeah.
Et bonjour, je vous rejoins. On va voir. Thank you.
Thank you.
salut tout le monde, c'est du saumon et le poisson rouge qui s'appelle du vivano. Voilà, c'est du vivano, ça s'appelle. Donc, attention, le spot est plutôt prêt. J'ai vu ma vidéo précédente sur la... Que vraiment... On se débarrasse de lui et on... Alors, liste des monstres, liste des aménagements. Non, moi ce que je veux, c'est où est-ce que je peux aller pêcher en fait. Dragon Quest Builder. Thank you.
C'est l'anneau qui donne. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, nous sommes actuellement sur Dragon Quest Builder 1, que je tente de finir, enfin que je tente d'avancer, je ne dis pas de bêtises, j'en suis au chapitre, j'ai été voir comment fonctionnait la mécanique d'aide de la pêche parce que j'ai l'impression d'avoir rien compris. Alors... il me faudra des portes. Porte magique... ouvert, ça fait mieux, on peut passer une porte. Oh mais c'est pas vrai, pas du tout. C'est pas le bon bouton, c'est pas grave. Alors, une porte. On va réparer ça un peu. Les monstres ne peuvent plus popper là-dedans. La carte. Ouais. À
par les tombes, il y a des trucs. D'accord. Oh, ouais, joli. Bonjour chat, ça fait toujours plaisir. On va passer par la maison. C'est Jean. Comment ça pas de l'or? Bah si. Ça, c'est un peu le bordel. Ah. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Alors, par contre, c'est galère.
je me dirige. Alt tab. Une grosse tache au milieu, donc vous devez être là où je suis. Qui est à peu près à mi-distance de. Ouais, ça doit être ça. Là, il y a un lab. Du roc. Voyons voir. À la frontière entre de l'eau du roc, il y a un canapé, il y a un caillou, il y a un slime, et il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Ouf, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai trouvé qu'est-ce que c'est. Il y a lui, ok. Ok, donc je suis là. Donc il y a deux cavernes. Voilà.
rien avec de l'or apparent. C'est ça qui venait de dire. Gros arbre. Voilà. Donc le gros arbre qui est au centre, ben j'y suis. Ça doit être le truc à récupérer. Il y a un truc rouge ici, donc ça peut être intéressant d'aller faire un tour. C'est-à-dire par là-haut. La lumière.
clé. Alors, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Et je prends le crabe. Non, non, non. C'est ça que je suis ferme. Clé. Ah, des bras. Ok, à voir. Par contre, celui-là, il sent la personne. Oh, en plus. Je prends en consommation, je suis quand même de baliste. Ça me fait chier de devoir buter ce dragon, il a rien demandé à personne, il dort juste dans son coin. Thank you.
Ouais, ok. Yeah!
message est gravé sur lui. Briller la lumière. Lumière aveuglante. Mal partout. C'est fini, j'ai trouvé 3 énigmes. À côté du portail rouge, j'ai posé une ligne de fleurs. Oui. Après la première étagelle, j'étais les points de l'heure. Sur l'île située à côté du portail bleu, j'ai posé les lignes de l'évolution. Oui. Apporte la preuve de sa sagesse. Alors, regardez un monument. Alors, j'ai rien contre les énigmes. Hein. Le souci étant que je ne me souviens absolument pas des énigmes. L'heure, je me souviens que c'est un cadran. Alors, qu'est-ce que j'ai looté pas la moindre idée. Archimède. Alors, énigme 1, alors. Le second chapitre entre énigme bleu, blanc et rouge. Qui serviront à valider les défis. Gardez-les absolument. Bloc blanc. C'est le bordel. Je vais enlever.
premier coffre. Et là-bas, il y a... Et là. Là. Oh la vache, j'ai mis un coup. Ah oui, je vais faire des dégâts. Je sais même pas si je vais vraiment le taper. Là. Non, c'est bon. Je sais pas si c'est terminé. Non, je l'ai vexé. Alors, je dois avoir de la soupe quelque part. Intéressant.
vite, hein. Ah bah, le c'est un peu génial. Le bic est redoutable. Bon. De la batte. Ah non. C'est un sort, mais... Yes. Un tourbillon de récepteur capable de trancher les objets, les plus lourds. Un homme de hors du monde. Thank you.
l'air fluide. Ah. Ah. Je vais un peu blinder le... Alors, deux types d'objets différents, ça doit être bon. Niveau 5, ça doit être bon. Réparer le tour ruine, ça doit être bon. Obtenir la couronne de Glure. Faut pêcher, je suppose. D'accord, ok, donc il faut que je pêche. Ah, blanc, bleu, à court. Ça marche. Alors. La carte. Donc ça c'est bon, c'est bon. J'ai quasiment tout fait sur l'île en fait. Ça va assez vite. Alors, j'ai plus de place du coup dans mon sac, dans mon inventaire. Out.
ça devient compliqué là. Le mental est tellement plein. Ah mais il est revenu le copain. Ah bon, moi je sais. Thank you.
deux heures. Yggdrasil, le prochain épisode. Comment Dave va se démerder pour ranger tout son inventaire.